Lorsque quelqu'un est rétrograde, when somebody is backsliding, toujours rétrograde, always backsliding. He's always sick, backsliding. Si on les donne la piqûre, il se réveille. When they give you shots, you wake up. Et puis demain encore il rétrograde. And then yes, tomorrow you go back. Il ne peut pas grandir. You cannot grow. Hébreux chapitre 5 verset 12 dit ceci. Hebrews 5, 12. Hébreux chapitre 5 verset 12 dit ceci. Hebrews 5, 12. Vous en effet. You. Qui depuis longtemps devraient être des maîtres. You are supposed to be masters by now. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles et des dieux. You need the first teaching of the miracles of God. Vous en êtes venu à avoir besoin du lait. Now you need milk. Et non de la nourriture solide. And not meat. Lorsqu'il n'y a pas croissance. When there is no growth. Et que les chrétiens vivent dans la vie des rétrogrades. And the Christians are just backsliding. Et puis va tu les lait. You always gonna drink les milk. Always les milk. Les. Always milk. Paul dit que vous devriez être déjà des maîtres. You are supposed to be masters by now. Il y a des gens parmi nous qui devraient être déjà des pasteurs. You are supposed to be pastors already. Il y a des gens parmi nous qui devraient être déjà des évangélistes. You are supposed to be evangelists. Il y a des gens parmi nous qui devraient être des intercesseurs. You are supposed to be intercessors. Il y a des gens parmi nous qui devraient être des responsables. You are supposed to be responsible. Mais parce qu'il y a la rétrogradation. Because there's backsliding. Ils sont toujours des enfants. They are always children. À qui on doit toujours donner le lait. They have to give you milk all the time. Dans d'autres chapitres, on dit on doit toujours vous enseigner sur les péchés, les rudiments, les choses qui sont les ABC de la foi. The ABC of the faith. Mais quand est-ce qu'on va vous enseigner sur les choses du ciel? When are we going to teach you about the things of heaven? C'est ce que Jésus disait. That's what Jesus said. Je vous enseigne des choses de la terre. I'm teaching you things of the earth. Vous ne comprenez pas. You don't even understand. Mais si je commence à vous enseigner les choses du ciel, now if I start teaching you about the heaven things. Rien? You won't understand a thing. Quand quelqu'un ne grandit pas, when somebody's not growing, il vit des rétrogrades. You always go back and back. Il n'y aura pas moins que Dieu lui parle des choses très grandes. God cannot give you big things to do. He cannot talk to you like that. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking Amen. To someone? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dans Galates toujours est écrit. In Galatians it says que si vous êtes des héritiers mais vous ne parvenez pas à prendre la position de votre héritage, you cannot take the position, your position. Parce que vous êtes toujours des enfants. Because you're always children. Est-ce qu'on donne l'héritage à un enfant? Do we give heirs to children? Est-ce que moi me réponds? Est-ce qu'on donne l'héritage à un enfant? I need an answer. Mais si tu es toujours un enfant, but if you are a child, tu ne pourras pas jouir de l'héritage du royaume. You cannot take everything that you have to. Tu es toujours dans les ABC. You are in the ABC. Parce que tu rétrogrades à tout moment. Because you always go back. Je vais parler des signes de la rétrogradation. I'm talking about the signs of backsliding. Pendant que je donne ces signes, as I'm giving these signs, c'est pour que ça m'aide et que ça t'aide. So that it can help you and me. À faire un diagnostic de ta vie spirituelle. To look on your Christian and spiritual life. Un diagnostic de ta foi. To look carefully in your faith. Mes bien-aimés, my beloved, l'heure est venue de ne plus venir seulement à l'église. To not come to church. Sans qu'il y ait des choses positives dans notre vie spirituelle. Positive things in the spirit. L'heure est venue de venir à l'église et de vivre des transformations, des changements. And see transformation. Le premier signe. The first sign. Quand vous voyez ces choses, when we see the things in your life, ce sont des mauvais symptômes. These are bad ones. Bad symptoms. Premier symptôme. The first one. D'une personne qui commence à rétrograder. Of somebody going back. C'est la négligence de la parole de Dieu. You neglect the word of God. La négligence de la méditation. You neglect meditation. Et de la prière. And prayer. Les deux signes. Two signs. Sont les signes fondamentaux. Those are the fundamental signs. Qui démontrent que je commence à rétrograder. That show you know you're backsliding. Ou que tu commences à rétrograder. Or you are, but I am backsliding. Quand tu ne parviens plus à méditer. When you cannot even meditate. La parole de Dieu. The word of God. C'est que ton cœur commence à s'éloigner de Dieu. Your heart is being away from the Lord. Josué chapitre 1 verset 8. Joshua 1 and 8. Un verset que nous connaissons. The verse that we know. La Bible dit ceci. The Bible says this. Que ce livre de la loi. May this book of the law. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Never goes away from your mouth. De ta bouche. Your mouth. Médite-le nuit et jour. Meditate day and night. Médite-le nuit et jour. Meditate day and night. Ne le médite pas seulement une semaine. Don't meditate only pas one un day, mois, not only a month, nuit et jour, day and night. Meditate. La méditation a deux dimensions. Meditation has two dimensions. La première dimension de la méditation,
C'est la lecture des Écritures. Reading the word of God. Je crois que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le pasteur Zalema, qui a prêché très bien dimanche. Bless Pastor Zalema who teach really well last Sunday. La première dimension, c'est la lecture des Écritures.